Bonjour, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Thomas Link, je suis cloud architect chez CloudReach. Je suis accompagné aujourd'hui de Maher Bouzekri, responsable du CCOE de GRT Gaz, et de Luc Bortolotti, qui est responsable de la stratégie au sein de la DSI de GRT Gaz. Et ensemble aujourd'hui, on va vous présenter comment GRT Gaz a industrialisé la gouvernance de sa plateforme cloud sur AWS. Donc on va vous présenter les différents challenges auxquels on a dû faire face et les différentes solutions qu'on a pu y apporter. Avant tout, cette présentation, ce sera vraiment un hymne à l'automatisation, à l'agilité et à l'industrialisation, parce qu'on estime aujourd'hui que c'est ça qui a fait vraiment gagner du temps au CCOE et qui nous a permis d'atteindre nos objectifs. Donc, très rapidement, CloudReach, qu'est-ce que c'est ? CloudReach, c'est une société de conseil spécialisée dans le cloud public qui a été fondée en 2009 par deux Anglais. Aujourd'hui, on est un peu plus de 950 personnes. Avec 900 certifications, on opère dans 20 bureaux en Europe et en Amérique du Nord. On est partenaire premier consulting AWS, ce qui signifie qu'on accompagne nos clients dans toutes les étapes de leur transformation, de l'adoption jusqu'à l'optimisation de leur plateforme cloud. On est également MSP partner d'AWS, ce qui signifie qu'on infogère pour nos clients des milliers de ressources AWS. Et enfin, on est une société born in the cloud. C'est-à-dire que la société a été créée pour le cloud public, donc tous nos process et toutes nos méthodes de delivery sont dédiées au cloud public. Voilà, donc je vais laisser Luc présenter le contexte et la société GRT Gaz. Ok, merci Thomas. Continuez avec ça. Alors, merci de nous donner la chance de venir raconter notre aventure dans le cloud AWS. Qui est GRT Gaz ? Alors, GRT Gaz, c'est l'entreprise de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a 3000 salariés, une entreprise industrielle, et alors notre mission, c'est d'opérer les mouvements de gaz en France. C'est-à-dire qu'on transporte du gaz, des points d'entrée frontières ou des terminaux méthaniers, des stockages, vers des distributions publiques ou des gros industriels. Et notre activité, on peut la gérer que grâce à un réseau informatique qui est maillé d'applications métiers et puis d'utilisateurs qui sont répartis sur le territoire national. Parmi ces applications, les applications qui sont critiques, sans lesquelles on ne pourrait pas opérer notre activité. Donc c'est ce qu'on appelle la chaîne critique, qui est un peu au cœur de toutes les attentions de la DSI, bien sûr, il y a d'autres applications qui sont à côté, mais c'est en partie cette chaîne critique qui a structuré les choix qu'on a réalisés. Donc, on a une autre particularité, qui est que bien qu'on soit la filiale d'un gros groupe industriel, en l'occurrence Engie, on est totalement indépendant en termes d'IT, c'est-à-dire que le règlement de l'énergie a fait qu'en 2014, GRT Gaz s'est complètement désimbriqué. On a nos propres infrastructures, on fait nos propres choix. Donc assez vite, en étant responsable des infrastructures, des différents moyens du réseau, etc., on s'est posé des problématiques d'évolution de ces infras. Donc parmi les problématiques qui étaient posées, il y a des problématiques de time to market, d'environnement à fournir rapidement. On a des problématiques d'efficacité économique. On a des problématiques de SLA qui étaient des problématiques de SLA à améliorer. Problématiques de nouveaux usages à traiter avec des données potentiellement en masse issues d'IoT qu'il faut qu'on arrive à collecter. Et tout ça avec un nombre de ressources qui est limité, puisque comme on s'est désimbriqué assez vite, on n'a pas des compétences qui sont très larges sur ces sujets. Donc on a identifié différents scénarios techniques pour voir comment potentiellement nos infrastructures pouvaient évoluer, en se posant la question de qu'est-ce que ça donnerait si on était on-prem, qu'est-ce que ça donnerait dans un modèle de cloud privé, dans un modèle de cloud public. Et assez vite, la solution du cloud public s'est imposée comme étant la solution qui répondait le mieux aux besoins de GRT Gaz. Alors, pour ce voyage dans le cloud public, on s'est posé la question du service provider. Assez logiquement, on a choisi AWS parce que l'entreprise de notre taille, pour nous, c'était important de s'adosser au numéro 1 du marché. Également parce qu'il y a beaucoup de services qui sont disponibles sur AWS, et surtout parce que dans le contexte d'AWS, c'est un écosystème d'entreprises, notamment comme CloudReach, qui amène de la valeur ajoutée en termes d'industrialisation, d'hyper-industrialisation, c'est quelque chose qu'on visait. Donc on a établi une stratégie qu'on a présentée à notre direction générale en 2017, qu'il a validée, avec des idées d'hyper-industrialisation, d'efficacité de nos opérations et d'efficacité économique. Donc c'est ça qui a guidé nos choix et la volonté de sortir toutes nos applications en data center vers le cloud public et de faire du cloud public le choix par défaut d'infrastructure de toutes nos applis. Et donc cette aventure dans le cloud public,
On l'a confié à Maher, ici présent, qui va venir vous raconter ce qu'il a fait depuis 2017 et puis ce qu'il nous reste encore à faire pour terminer cette migration. À toi la parole, Maher. Merci, Luc. Donc, comme dit Luc, on prend le choix de migrer l'ensemble de nos applications vers le cloud Amazon. Pour ce faire, hein, on débutait, on n'avait pas de gens formés en interne autour du cloud, donc on fait un peu comme tout le monde, les bonnes pratiques, on crée un CCOE. On va d'abord chercher les compétences internes, techniques, donc on a nos architectes, nos experts qui maîtrisent aujourd'hui notre SI, plus les experts applicatifs. On emmène tout ce monde-là pour créer ce CCOE, et aussi on se fait accompagner par des entreprises comme CloudRich pour amener cette compétence cloud qu'on n'avait pas en interne, parce que le cloud, c'est des technologies différentes que l'on-prem, on a besoin de compétences différentes et nouvelles. Donc on crée ce CCE, on crée les nouvelles fonctions, FinOps, SecOps, parce que la finance c'est un sujet important autour du cloud, donc on monte en compétence, on crée un poste, on crée un rôle, on crée le rôle de SecOps aussi, parce que la sécurité c'est important, et on part avec une stratégie et des grandes orientations qui sont, on veut réduire l'obsolescence technique qu'on avait en on-prem, on avait des composants techniques type Windows Server 2008 ou autres, qu'il fallait upgrader. Donc on veut sortir cette obsolescence, on veut transformer, replatformer nos applications pour aller chercher les services managés. On a le temps de faire, on a, après discussion avec ma direction, on valide un planning sur 2 ans et demi. Donc on a le temps de faire, de replatformer, de se poser les bonnes questions. Donc on va replatformer les applications, c'est pas du shift and lift qu'on va faire, pour aller maximiser les services managés AWS. Vraiment, le but, c'est d'amener de la stabilité et de l'agilité à notre SI en allant chercher à industrialiser au maximum. Donc, un autre des principes, comme ça a été dit, c'est on fait AFRA as a code. On industrialise, on automatise tout ce qu'on fait. Voilà, c'est les grands objectifs qu'on se fixe au démarrage. Donc, à la création de ce CCE, en fait, un projet cloud avec le recul, c'est vraiment un projet humain. Un projet humain en interne de l'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a constitué ce CCE et le but c'était d'avoir une équipe, one team. Donc comme je vous l'ai dit, on avait des agents internes, des prestataires avec qui on travaille historiquement et des nouveaux consultants CloudRich. Et le but c'est de créer une équipe qui a vraiment cet objectif commun. Donc la première étape ça a été former nos agents. Donc on a formé en masse, on a envoyé en formation chez Amazon en masse. On s'est instauré des principes, on s'est dit on va pas tout faire du premier coup bien, donc on s'instaure le droit à l'erreur. Dans l'équipe c'était vraiment quelque chose de très important, on s'instaure le droit à l'erreur pour que l'erreur ne coûte pas trop cher à l'entreprise, donc on fait des itérations courtes, donc on fait, on défait, on refait et on défait. Quand on a quelque chose qui correspond à ce qu'on veut, on crée des politiques, on les inscrit et comme ça permet d'avancer. On avait culturellement dans l'équipe, on était une petite équipe au démarrage, on travaillait dans un mode d'échange, où on itérait les idées, on maturait les idées et à la fin, on les dessinait, on les implémentait. Ça fonctionnait comme on l'espérait, comme on le souhaitait, et ben après on industrialisait. Vraiment tout ça dans le but de préparer le déploiement des applications. Parce que avant de démarrer, donc on crée ce CCE et avant de démarrer, on prend le temps d'étudier ce qu'on veut faire, on analyse, donc on veut construire un socle. Le socle, faut vraiment quelque chose qui est important parce que des choix qu'on fait initialement, au bout d'un an, c'est difficilement remettable en cause. Donc les choix qu'on prend initialement, il faut prendre le temps de le faire. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, on a commencé à étudier pour construire le socle et on a fait un peu un mode agile, un mode où on avait comme objectif de construire un socle suffisant avant de commencer à déployer des applications. Grosso modo, les 6 premiers mois, on a défini ce qu'on voulait avant de migrer les applis, avant de commencer à migrer les applis. On a donc construit le socle. Le socle, c'est quoi? C'est on a construit les infrastructures qui vont permettre de déjà urbaniser notre SI. Comment on ségrègue les comptes dans Amazon? Comment automatiquement je génère un compte Amazon? La gestion de la supervision, les logs, la sécurité, les infrastructures, on veut faire du serverless, du
Donc, on crée des patterns, donc on définit le minimum vital avant de commencer à déployer les applications. Et on le fait dans un mode itératif, des sprints assez courts, où les équipes techniques, encadrées par les experts de l'équipe, développaient en fait, les infrastructures, on testait, on livrait, et le fameux wow effect, on voit en un clic, on génère des infrastructures qui peuvent, au bout de, assez rapidement, embarquer des applications. Vraiment, le but, c'est permettre l'industrialisation de la migration et donc réduire le time to market et offrir assez rapidement aux équipes applicatives des infrastructures qui pourront embarquer les applis, en englobant un tas de choses comme, je l'ai dit, sécurité, etc. Donc, comme disait Maher, il a fallu être rapide dans ce qu'on faisait. Et pour être rapide, c'était important d'utiliser les outils adéquats et de s'outiller correctement. Donc on a utilisé ces outils-là, qui sont tous gratuits et open source. C'était un choix. Donc on a utilisé notamment Fabricator, qui est un outil, pour ceux qui connaissent, qui ressemble à Jira ou à Redmine, qui permet de gérer et de prioriser un backlog. On a utilisé aussi RocketChat, qui est un outil de messagerie instantanée qui nous permettait de communiquer dans l'équipe. Donc on était tous dans un open space, j'y reviendrai après. Mais ça nous a permis de communiquer avec les différents partenaires de GRT Gaz en temps réel. On a aussi utilisé évidemment tous les outils AWS natifs, donc la suite Cloud9 pour les développeurs qui avaient besoin d'avoir un environnement de développement intégré à AWS. On a utilisé Cloud9. On a aussi utilisé toute la suite CodeStar, donc Code Commit, Code Pipeline, Code Build, Code Deploy. On les a utilisés parce que ces outils étaient directement intégrés dans AWS et que ça nous a fait gagner du temps. On a également utilisé CloudReach Sceptre, qui est un outil qui permet de contrôler et d'encapsuler CloudFormation. J'y reviens un petit peu après. Et l'outil qui était finalement peut-être le plus important dans la création de ce CCE et dans ce CCE, c'était l'open space, l'environnement open space qu'on avait. Parce qu'on était tous dans la même salle, on était tous proches les uns des autres, et on avait la possibilité de discuter les uns avec les autres. Et quand on avait besoin de prendre une décision ensemble, on se levait tous, on allait dans un coin de l'open space, on dessinait 2-3 diagrammes sur un tableau blanc, et ça nous a fait vraiment gagner du temps. Ça nous permettait de prendre des décisions ensemble et d'avancer. Donc avant tout, on était une équipe DevOps, on est toujours d'ailleurs une équipe DevOps, donc Dev et Ops, donc certains avec des profils plutôt développeurs, d'autres avec des profils plutôt opérations. Mais on a vraiment profité de l'expérience de chacun et amené l'expérience de chacun dans tout ce qu'on a construit grâce à la communication ouverte qu'on avait dans l'équipe. Et donc ça nous a permis de construire des outils. Un des outils qu'on a construit qui nous a permis de déployer des comptes AWS. Donc il y en a peut-être dans la salle qui connaissent AWS Organization, qui est un service ou une API qui nous permet de créer des comptes AWS programmatiquement. En fait, AWS Organization, ça ne permet pas de tout faire, en tout cas aujourd'hui. Donc il y a des choses qu'on avait besoin de faire à la création d'un compte AWS, mais qui n'étaient pas faisables avec AWS Organization. Donc il y a quelques exemples, par exemple la suppression de tous les security groups par défaut qui sont ouverts en sortie, rajouter un rôle IAM dont on avait besoin pour s'être, déplacer un compte AWS d'une OLU à une autre, c'était des choses qu'on ne pouvait pas faire avec AWS Organization, et donc on a développé un outil en Python avec une configuration YAML qui nous a permis, après la création du compte avec AWS Organization, d'appliquer toute la configuration par défaut dans le compte AWS, pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir, à partir de là, utiliser de l'infrastructure as code. Donc grâce à cet outil, on a pu déployer beaucoup de comptes AWS. On ne se posait pas la limite du nombre de comptes AWS qu'on avait à déployer. Aujourd'hui, on a un compte AWS par application et par environnement. Donc aujourd'hui, on a environ 110 comptes AWS qui ont été créés. Et le temps moyen pour créer un compte AWS aujourd'hui, c'est 17 secondes. Donc on n'a pas du tout à se poser la question de savoir si c'est compliqué, pas compliqué, quel va être l'overhead à la création d'un compte AWS. C'est simple et rapide. Donc ça, c'est toute la partie qui n'est pas réalisée avec de l'infrastructure as code. Une fois que toute cette base est réalisée, toutes les ressources qui sont créées sur AWS sont créées avec de l'infrastructure as code. Donc il a fallu qu'on choisisse encore ici des outils. Donc on a choisi d'utiliser CloudFormation, sauf que CloudFormation, au début, donc pour s'entraîner, c'est bien d'écrire les templates CloudFormation, mais rapidement, on a eu besoin d'un outil pour générer des templates CloudFormation. C'est là qu'on a utilisé la librairie Troposphere, donc qui est une librairie Python qui permet de générer des templates CloudFormation.
Et ces templates CloudFormation, donc comme je le disais avant, on a des comptes, des applications, des environnements. On a besoin de séparer les différentes stacks qu'on crée dans ces différents environnements. Et CloudRich Sceptre, qui est un outil aussi gratuit et open source que vous pouvez trouver sur GitHub, qui va nous permettre de piloter CloudFormation, de piloter Troposphere pour créer ces stacks, pour les déployer automatiquement, en tout cas avec beaucoup de facilité grâce à la CLI. Grâce à ce mécanisme, on a créé 150 templates AWS pour des ressources AWS. Donc, en fait, au CCE, à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser un nouveau service AWS, on crée un template. Ce template, il inclut toute la réflexion qu'on a eue sur l'utilisation du service. Donc, on va réfléchir aux différents paramètres qu'on a besoin d'utiliser, à tous les tags, par exemple, qui ont besoin d'être mis par défaut. Et ce template qu'on va créer, il va inclure tout ça. Donc, toute notre réflexion, elle va être directement inclue dans ce template. Et en fait, les responsables applicatifs qui vont avoir besoin d'utiliser ces services-là, ils vont se servir dans cette banque de templates qui est à leur disposition et ils vont pouvoir déployer leurs ressources grâce à ces templates. Et en utilisant ces templates-là, ils ne vont plus du tout avoir besoin de se poser la question sur comment ils vont utiliser ces templates. Ils ont juste à les prendre, les instancier, remplir avec leurs paramètres et ça fonctionnera. Et surtout, ça viendra s'intégrer dans ce qui a été créé par le CCE. Donc, qu'est-ce qui va justement s'intégrer ? On a eu besoin de standardiser tout ça. Donc ouais, grâce à ça, on a créé environ 10 000 stacks CloudFormation à ce jour en utilisant ces différents outils. Donc qu'est-ce qui s'intègre et qu'est-ce qui est standardisé ? Il y a toute la partie sécurité qui est intégrée dans ces stacks. Il y a toute la partie monitoring, la partie remontée de logs aussi. Quand vous déployez aujourd'hui une instance ou un nouveau service, les logs sont automatiquement remontés dans un cluster ELK qui permet la visualisation des logs parce qu'on n'a pas envie de se poser la question à chaque fois qu'on déploie une nouvelle ressource de savoir comment on va renvoyer les logs, comment on va rediriger les logs. Aujourd'hui, le CCE se pose la question une fois, il implémente ça dans les templates, et une fois que c'est implémenté, plus personne ne se pose la question, on ne fait qu'utiliser les différents templates. Donc ça nous a permis, comme les templates étaient... tout le monde utilise les mêmes, on a un déploiement qui est complètement homogène aujourd'hui. Tout ce qui est déployé sur les comptes AWS, que ce soit pour une application ou pour une autre, tout le monde utilise les mêmes templates, donc tout le monde a la même méthode de déploiement chez GRT GAZ. Donc sur la partie sécurité, j'en ai parlé rapidement. Ceux qui connaissent un petit peu AWS connaissent normalement ce tableau à gauche qui s'appelle la matrice de responsabilité partagée. Donc la partie orange, c'est la partie dont AWS s'occupe pour vous. Et la partie bleue, c'est la partie dont le client doit s'occuper sur AWS. Donc on a répondu très facilement à ces différentes questions, donc avec les quelques éléments qui sont sur votre droite. Donc on utilise pour la gestion des permissions, on utilise AWS IAM tout simplement. On a un mécanisme de switch role, donc on se connecte sur un compte AWS. De ce compte-là, on se déplace sur un autre compte AWS avec le mécanisme du switch role. Pour la partie image et instance, on a complètement automatisé la création des AMI. Donc aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir comment on va intégrer la sécurité après qu'une instance ait été lancée. Non, on l'intègre directement à la construction de l'image. Donc quand on construit l'AMI, la sécurité est directement intégrée. Enfin, au début, donc comme disait un petit peu Maher tout à l'heure, on a dû discuter avec les personnes du réseau, discuter avec les personnes de la sécurité chez GRT GAZ. On a eu plusieurs workshops qui nous ont permis, au lieu de créer un environnement à côté de ce qui était existant dans le data center, donc au lieu de créer des réseaux à côté, au lieu de créer des couches de réseau de sécurité à côté, on a vraiment tout intégré, tout a été intégré ensemble. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de mettre à l'échelle le réseau et la sécurité. Enfin, dernier point qui est aussi important, le chiffrement. Aujourd'hui, il n'y a aucune bonne raison de ne pas chiffrer ces données sur AWS. Chez GRT GAZ, on chiffre dès que possible avec des clés GRT GAZ. Quand ce n'est pas possible ou quand c'est compliqué, on le chiffre avec des clés de service AWS. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune bonne raison de ne pas chiffrer ces données. Voilà, donc ça, c'est sur toute la partie construction. Et dans toutes les étapes de la construction, on a toujours réfléchi à l'opération, donc comment on allait opérer ces ressources une fois qu'elles étaient créées. Et on a construit tout pour la résilience. Mais alors, je vais vous expliquer. Vraiment, le but, on l'a dit au démarrage, c'était industrialiser à outrance. C'était déindustrialiser, automatiser. Historiquement, on a un data center qui n'était pas vraiment industrialisé, où il y avait trop de gestes manuels. C'est arrivé qu'il y ait des erreurs humaines ou des choses qu'on ne puisse pas faire ou difficilement faire par le manque d'industrialisation. Vraiment, l'idée, c'était de construire un cloud complètement industrialisé. Donc, on industrialise, comme on l'a dit,
la partie infrastructure, la partie applicative et aussi la partie opération. Donc tout ce qui est procédure technique d'exploitation, on industrialise, reprise sur erreur, on industrialise, vraiment dans le but de limiter toute action humaine sur la prod. On a carrément écrit dans la politique zéro intervention humaine sur la prod. Ce qu'on avait du mal à imaginer initialement, et je l'avouerai, même moi j'avais du mal à le dire au début, on arrive à un stade aujourd'hui d'industrialisation sur la première partie qu'on a migré, les applications qu'on a migrées au démarrage, où on n'intervient plus du tout. Tous les mécanismes qu'on a mis en place permettent aujourd'hui à atteindre un niveau de résilience très fort, très bon. Donc ce qu'on avait du mal à imaginer et que maintenant on vise, c'est vraiment viser le no-ops. On vise plus d'opérations. Donc pour y arriver, on sait qu'il y a du travail, on sait que quand on déploie une application, on n'aurait pas imaginé tous les cas. Mais dès qu'il y a un cas qui se présente, eh ben, on le corrige, on résout et on industrialise au cas où ça se reproduit de nouveau pour pas qu'on intervienne. Vraiment, c'est le but, c'est les principes qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, sur les premières vagues qu'on a migrées, ça se passe assez bien. Vraiment, et l'aspect avoir emmené des services managés amène une vraie performance des applications. On a délégué des tâches d'exploitation à Amazon. Ils le font très bien, ils le font pour nous. Et donc, du coup, nous, on peut se concentrer sur la partie applicative. On a sous-traité les trucs assez simples, la base de données, la connexion à notre IAM. Voilà, on a maximisé l'usage des services managés pour justement limiter la partie exploitation et pouvoir nous concentrer sur notre cœur de business qui sont nos applications. Un des avantages du cloud public, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de capacity planning. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien planifier. Et en fait, il y a deux choses pour lesquelles il faut planifier. Il faut planifier pour le cas le plus favorable et planifier pour le cas le plus défavorable. Je prends l'exemple d'une application qui est censée recevoir 100 utilisateurs. Il y a le cas favorable dans lequel vous allez en recevoir que 10 et le cas défavorable dans lequel vous allez en recevoir 10 000. Et dans ces deux cas-là, votre plateforme, votre infrastructure, elle doit s'adapter. Si vous en avez que 10, elle doit s'adapter vers le bas pour que ça vous coûte moins cher que prévu. Si elle doit s'adapter vers le haut, elle doit aussi s'adapter vers le haut pour que si vous avez 10 000 utilisateurs au lieu de 100, vos utilisateurs ils puissent trouver un service qui est convenable et qui répond à des exigences de performance évidentes. Il faut aussi toujours réfléchir quand on développe quelque chose pour AWS, donc on a parlé tout à l'heure de l'outil de création de compte, il faut toujours réfléchir au long terme et réfléchir à toutes les erreurs qui peuvent se produire. Quand vous développez quelque chose pour AWS, il est possible par exemple que vous ayez besoin de mettre dans votre outil la liste des régions AWS. Vous mettez cette liste de régions en dur dans votre code ou dans votre configuration, vous êtes à peu près sûr que AWS va sortir une nouvelle région dans moins de 3 mois ou dans moins de 6 mois et que votre outil ne fonctionnera plus. Donc la bonne façon de faire, c'est dès que possible, utiliser les API, utiliser les informations qui sont fournies par AWS et toujours vous dire que l'outil que vous développez ou le script que vous développez, même si vous avez l'impression qu'il sera utilisé qu'une seule fois pendant une semaine, dites-vous que dans 10 ans, il sera toujours là. Les next steps, où on en est. Donc on a en 2018, ce qu'on avait pris comme choix, c'était s'entraîner. Parce qu'on a pris quand même, nous, GRTGaz, on est une entreprise très externalisée. On a fait le choix de faire ce projet, ce programme nous-mêmes, en nous en accompagnant, comme je disais au démarrage, par des gens comme Claude Rich et les experts qu'on avait dans nos équipes. Et c'était bon, construire le socle et migrer, commencer à migrer petit, migrer les petites applications pour apprendre, pour faire, pour comprendre, et pour après faire les politiques. On vient de repasser devant notre direction, et qui a validé, il y a quelques jours de ça, la migration de la chaîne critique. Donc on va, cette année, migrer la chaîne critique du SI de GRTGaz avec notre équipe, et toujours en gardant ce mindset d'industrialisation. On a un niveau d'industrialisation qui est pas mal, mais on a encore pas mal de choses à réaliser. Par exemple, aujourd'hui, pour la création des comptes, il y a encore des choses à faire manuellement ou en mode semi-automatique. On va aller au bout. On va aller au bout de l'industrialisation. La résolution en cas d'incident. Aujourd'hui, il y a des cas qui ne sont pas encore couverts par l'industrialisation. On va continuer et ça va être d'autant plus important pour les applications qui sont critiques pour le business de GRTGaz. Donc, on va continuer dans cette voie. On s'est très focalisé l'année dernière sur la partie applicative. Donc on a fait des pipelines de déploiement pour les applications. On a fait différents types de pipelines pour du Docker, pour du Windows, pour du Linux.
Maintenant, on veut aller plus loin et industrialiser le déploiement infrastructure. Vraiment, le but, c'est qu'à la cible, quand on valide une version où on doit faire un déploiement, qu'on déploie complètement les infrastructures avec les applications. C'est les buts qu'on se fixe cette année. Et du coup, avec tout ce qu'on a réalisé depuis un peu plus d'un an, on a pu dégager 4 lessons learned à vous partager avec vous aujourd'hui. Donc la première, certains connaissent peut-être l'adage « 3 strikes to automate ». Donc on fait une fois, on fait une deuxième fois, et quand on le fait la troisième fois, on l'automatise. Étant donné le contexte, étant donné la façon dont on a travaillé au sein du CCE de GRT Gaz, on a un peu modifié cet adage, parce qu'en fait, on n'a pas envie de le faire 3 fois avant de l'automatiser, on veut l'automatiser tout de suite. Donc on a transformé cet adage en « 1 strike to automate ». Ensuite, l'exemple que je donnais juste avant des régions, il est aussi valable, par exemple, avec une instance EC2. Donc imaginez que vous avez un script ou un outil qui lance une instance EC2. Qu'est-ce qui va se passer pour votre script si la zone de disponibilité dans laquelle vous souhaitez lancer votre instance, elle n'a plus de capacité? C'est certes très rare, ça arrive très peu, mais ça peut arriver. Donc il faut que tous vos outils soient toujours capables de gérer l'ensemble des cas qui peuvent survenir. Et donc tout arrivera, c'est juste une question de temps. Enfin, la sécurité, comme je l'ai dit, elle a toujours été intégrée dès le début, depuis les toutes premières étapes de la plateforme sur AWS. La sécurité n'a jamais été une contrainte, elle a toujours vraiment été intégrée à tout ce qu'on a fait. Et enfin, un mythe qu'on voudrait voir un petit peu disparaître, donc le mythe du SLS 100%. On est conscient que c'est compliqué, mais aujourd'hui, ce qu'on fait et la façon dont on travaille, on pense qu'on est plus très loin de casser un peu ce mythe du SLA à 100%. Voilà, donc je tiens juste avant de terminer à profiter de ce moment pour remercier au nom de CloudReach GRT Gaz qui fait confiance à CloudReach depuis un peu plus d'un an. Merci à tous d'être venus nous voir. Si vous avez des questions, malheureusement, on ne peut pas les prendre en séance, mais on sera présent sur le booth 18 au 2e étage. Voilà. Merci à tous.